C'est un roman inspiré de faits réels et il y a une intrigue, il y a des personnages, il y a une intrigue d'espionnage, les Américains qui enquêtent sur les djihadistes, puisque quand même, quand on fait des reportages ces dernières années en Irak et en Syrie, évidemment, on parle très souvent de terrorisme d'expansion de l'islamisme et de Daesh à l'époque. Ah bon, pardon, excusez-moi pour la vidéo. Le roman de Benoît s'ouvre sur une séquence, une grande bataille en 2015, au même moment, quasiment simultanément, les attentats du Bataclan marquent tout le pays, avec des résonances jusque dans le Kurdistan irakien. La nouvelle arrive à nos héros quasiment simultanément. Le rôle du fixeur là-dedans est très, très important, on y reviendra bien sûr, mais vous verrez peut-être dans les propos de Benoît, il y a beaucoup d'échos qui peuvent se faire avec la situation actuelle. Le procès, bien sûr, qui se tient en ce moment à Paris, les conflits au Moyen-Orient en général. Le rôle du fixeur, tu as travaillé beaucoup dans différentes zones de conflit, il est important. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi le boulot du fixeur, celui qui arrange, celui qui bidouille? Alors, fixeur, c'est un terme anglo-saxon. Il vient du verbe to fix, donc ça veut dire au départ réparer, et puis ça veut dire arranger, organiser. Et le fixeur, en fait, quand on ne parle pas la langue, surtout, moi je parle pas le kurde, c'est quelqu'un qui est notre guide, notre traducteur, et puis même au-delà, c'est lui qui nous aide à organiser le reportage. Avant d'arriver, on lui demande tout le temps, est-ce que tu penses qu'il y a une chance qu'on puisse rencontrer le Premier ministre? Est-ce que tu penses? Plus difficile, sans doute, est-ce qu'on peut aller dans cette prison, rencontrer des gens qui ont été arrêtés récemment? Est-ce que tu penses qu'on peut aller sur tel front? Et là, c'est lui qui vous dit, oui, j'ai les contacts, non, c'est dangereux, non, ça, c'est beaucoup trop dangereux. Enfin, donc, c'est quelqu'un qui est essentiel, puisqu'en fait, sur un terrain de guerre, on remet notre vie entre ses mains. Dans une capitale européenne, on va prendre les transports en commun ou un taxi. Quand on est sur un terrain de guerre, il faut s'assurer que... La personne nous emmène bien avec une sécurité minimum, qui connaissent bien les soldats. Souvent, on se déplace presque toujours avec des soldats, parce que quand il y a des risques de prise d'otage, il est hors de question d'aller dans une voiture non sécurisée à travers la campagne, tourner autour de Mossoul ou de Raqqa. Bakhtiar, que tu décris et à qui tu rends hommage dans ce livre, porte un flingue. Oui. Il a une arme, il est aussi journaliste, il a une Tout à histoire fait. particulière. Comment vous êtes rencontrés? Alors, c'est pour ça que je disais que c'est une œuvre très personnelle, c'est que j'ai peur de tomber en larmes chaque fois que je fais une interview dessus, parce que c'était vraiment un grand, grand copain, Bakhtiar. Je l'ai rencontré en 2014, lorsque Daesh a tenté d'envahir le Kurdistan. Et on a tout de suite, on s'est tout de suite très bien entendu, je peux vous dire, le jour où j'ai compris qu'il deviendrait un grand ami, c'est quand j'ai vu ses qualités humaines. On faisait un reportage sur les Yézidis, donc c'est une minorité. Religieuse en Irak qui a été pourchassée, beaucoup de gens assassinés, des femmes et des enfants réduits en esclavage par Daesh. Et on est tombé nez à nez avec ces familles, notamment une famille qu'on a interviewée. Ils avaient même plus de lait pour le gamin. Enfin, l'ONU n'était pas là, il y avait rien, il y avait pas à manger. Et je l'ai vu à la fin de l'interview donner toute sa paye du jour, discrètement, hein, sans le faire devant moi, donner toute sa paye du jour à cette famille. Et là, je me suis dit, quand même, quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, qui porte une arme sur lui parce que c'est dangereux, qui a vu le pire de l'humanité, il a encore la ressource, après 15 ans d'expérience, parce qu'il a fait 15 ans ce boulot, il a encore la ressource pour s'émouvoir et venir en aide à des réfugiés. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont très cyniques, qui disent bon, un réfugié en plus, ce n'est pas nouveau en Irak. Donc voilà, Pape Bakhtiar, c'était un type génial et c'était un grand ami. Et ce livre. J'espère que ceux qui le lisent apprennent beaucoup de choses sur l'Irak, la Syrie, l'islamisme, mais j'espère surtout qu'ils comprennent ce que c'est que la beauté d'une histoire d'amitié. Et le rôle de Bakhtiar, je pense aussi, est très important. Je voulais le faire connaître, est très important dans la lutte contre l'islamisme. Enfin, c'est un secret pour personne que ta question, pardon, ma réponse est longue, mais. La question, elle démarre sur le 13 novembre. Moi, le 13 novembre 2015, j'étais au Moyen-Orient. Ça nous a tous choqués. Moi, je me sentais investi d'une mission d'expliquer qui sont les djihadistes. Donc, c'était notre but. Et lui, c'était son but aussi. C'était d'expliquer
et de dénoncer aussi. On couvre dans ton roman, on croise des soldats, on croise des journalistes, on croise des mercenaires, on croise des gens qui ne sont pas forcément recommandables, qui ont une morale girouette parfois. Comment il a gardé sa boussole finalement? Quelle était sa boussole et quel était le lien avec la boussole, le sens que les journalistes suivent sur le terrain, à savoir raconter ce dont on est témoin? C'est une bonne question. La boussole, c'est difficile de parler à la place de quelqu'un qui est disparu, mais je crois que Bakhtiar, il avait ce... Déjà, c'était quelqu'un d'instruit. Il avait grandi en France, parce que son père était historien. Il a grandi Porte de Versailles, juste à côté de chez moi. Enfin, j'ai découvert ça récemment, c'est toujours étonnant. Mais bon, c'est quelqu'un qui était éduqué, et je pense qu'il avait... quand on a dit fixeur, en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est les fixeurs sont toujours à la frontière entre le logisticien et le journaliste. Et lui, il avait une âme de journaliste. Lui, il pensait que sa mission, c'était montrer, dénoncer et parfois dire des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre. Alors, il a eu des problèmes avec le gouvernement irakien, le gouvernement kurde. Il a dû s'exiler en France à un moment. Donc, c'est quelqu'un qui avait, je crois, au plus beau sens du terme, qui avait la mission du journalisme chevillée au corps et il risquait sa vie pour ça. Donc, c'est quelque chose d'admirable qui mérite d'être souligné. En plus de ça, comme on parle des attentats et de l'islamisme, c'est pour ça aussi que j'avais besoin du roman. C'est pour que les gens sentent, pour que le lecteur sente qu'on parle aussi de ses préoccupations. Ça a l'air loin, l'Irak et la Syrie, mais Bakhtiar, il avait vécu en France, et quand il est rentré en Irak, il avait 11-12 ans, il disait, moi je voyais les premiers islamistes, chez les Kurdes même, hein, pas seulement dans le reste de la population. Je voyais les gens qui revenaient, qui avaient vécu avec leurs parents en Arabie Saoudite, qui avaient vécu au Qatar, et ils revenaient, ils nous disaient, vous n'avez pas le droit de jouer au foot, vous n'avez pas le droit d'écouter de la musique. Donc même chez lui, il se sentait investi de cette mission. Bon, bah, on est un pays peut-être pas laïque, mais quasiment, qui replace la religion dans la sphère privée. Et il y a un documentaire d'ailleurs sur Bakhtiar que vous pouvez trouver sur YouTube. Si vous tapez Bakhtiar Haddad, il y a une scène géniale où il rentre, il fait visiter le marché d'Erbil, donc c'était sa ville, Erbil. Et puis il rentre chez un commerçant, il rigole, il embrasse tout le monde. Et puis il tombe sur la télé et dit, tiens, regarde, voilà, c'est un ami des frères musulmans. Tu vois, on a les frères musulmans. Et tout ça, ça l'énervait de voir ses copains qui étaient branchés sur les chaînes qatariques des frères musulmans, ça l'exaspère.